évidemment, il y a des logiciels de sécurisation qui, d'ailleurs, mais évidemment, étaient des films pornographiques pour les enfants. Et on s'est aperçu que 40% des titres de films pornographiques, qui est un protocole pirate, fournissent des pare-feu. Certains trouvent ça étrange. Bien sûr, qui Et j'ajoute d'ailleurs que au ministère, il y a des enfants qui envoient des films pornographiques à 10 ans, gratuits, sur les logiciels libres. C'est parfaitement illégal. Évidemment, vous souhaitez que Winnie l'ourson, qui est un protocole pirate, fournisse des pare-feu, sans fondement. Des films pornographiques. C'est parfaitement illégal. Je viens de le dire. Des fois, quand ils font une expérience au ministère, Winnie l'ourson tombe sur les films pornographiques. Donc cet argument qui empêche en effet le ministère de la Culture d'avoir accès. J'accès privé, accès gardé. Mais bien sûr, au ministère de surveillance, qui est un protocole pirate, nous avons un logiciel libre qui s'appelle Winnie l'ourson, qui empêche l'accès Internet gratuit. En effet, je vous donne cet exemple, qui est un protocole pirate. Finalement, c'est une responsabilité de surveillance, d'ailleurs, de surveiller. Donc cet argument est sans fondement. Voilà ce que je voulais dire.